Écoutez-moi. Tu dis que t'écoutes, mais t'écoutes pas. Il n'écoute pas. Je dois faire quoi pour que tu m'écoutes? Hein? Je dois me faire sauter? Boum! Voilà. Monsieur est mieux disposé maintenant. Tu vas pouvoir accuser les autres. Espèce de trou. Écoutez-moi. Moi aussi j'ai peur. Je suis seul ici. Il n'y a qui? Combien de temps encore on va jouer au brave chien-chien, hein, à donner la patte au bon maître et à apporter le bâton à des costards vides? Qu'est-ce qu'ils connaissent du monde? T'en vois un qui veut le bien, toi? Un seul? Je vous parle! C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux! Combien de guerres il va encore falloir? Combien? J'en peux plus de consommer. Je vais pourrir de l'intérieur, ça va me ressortir par tous les pores. Écoutez-moi, vous dormez, réveillez-vous. Combien de temps encore à subir, à apprendre à être normal, à vivre assis, à travailler, à dormir les yeux ouverts comme un bon fonctionnaire, et puis à rentrer, laisser les écrans penser à sa place, se faire promener par son chien, et puis aller dormir ses 8 heures par nuit, évidemment, parce qu'il faut apprendre à être en forme le lendemain pour profiter de ce beau vieux jour sans fin.